Est-ce que vous êtes satisfait du sitting qu'on a fait à rue de Bac? Le message est passé, c'était destiné au ministère de l'Environnement. Qui dit environnement dit protection des vies, hein, des êtres vivants, des arbres, des plantes, des animaux, des oiseaux, toutes sortes de vies, quoi. C'est vraiment protéger la vie. On se sert de cette vie-là, nous, pour vivre, d'accord. Et quand la COP21 utilise cette magnifique rue verte pour symboliser la COP21, et quand je regarde ça, je vois la feuille ensemble. Parce que les mères sont ensemble. Ils adhèrent à des grands groupes comme ça. C'est pas bon pour ça, surtout. C'est vrai que leur principal souci, c'est de se développer avec les ressources de l'Afrique qui est encore vierge, les pays du Sud en général. Il n'est pas le seul président de l'Afrique centrale. Les peuples sont passés. Aujourd'hui, les peuples congolais de certains, nous avons toujours démontré que nous pouvons prendre notre destin en main. Sans lui, qui ne fait que tuer. Donc la COP21 se tue et se passe pendant que Sassou est en train de bombarder son peuple. Ils sont témoins de ça. Mais je crois que ce n'est pas son peuple. C'est pas son peuple. Non, c'est son peuple, ça on ne peut pas le lui nier. Il est congolais, c'est ton peuple aussi. Non, Sassou n'est pas congolais. Tu m'as interrogé, laisse-moi parler. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, il est congolais comme moi, comme toi, même si ta mère est française, tu n'es pas moins congolais, d'accord? Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce peuple-là, pour lequel il n'a aucun respect, est-ce que tu vois? Il va peut-être passer ici ce soir, ou que c'est son ministre des Affaires étrangères qui va passer. Peu importe, c'est le Congo qui va passer pour aller être présenté à la COP21. Cet ensemble qui regroupe les grands hommes. Voilà pourquoi c'est à cause de la présence du Congo à ce grand rendez-vous que nous sommes partis au ministère de l'Environnement pour leur dire que quelqu'un qui ne respecte pas les vies humaines ne peut pas respecter les droits des animaux. Je crois que le message est bien passé. Et en plus, pendant mon été, tu as pu constater avec nous les nombreuses délégations qui sont passées pour se rendre au ministère de l'Environnement et on les a huées. Hein. Et ça, c'était très bien. Il y aura le même mouvement à New York, aux Nations Unies là-bas, par nos amis de lutte qui iront faire du bruit là-bas pour dire que le Congo ne doit pas être représenté alors qu'il fait saigner son pays. Hein, il ne faut pas laisser cette feuille verte-là entacher, se laisser entacher de sang de Congolais par l'intermédiaire de Sassou. Voilà. Madame la grande journaliste internationale, j'ai deux questions à poser. Les Occidentaux, dans le temps de l'esclavagisme, ont pris des Africains en Afrique, les ont amenés comme des gibiers. Ils ont mis des chaînes au cou, des chaînes aux pieds, on les a mis dans des bateaux, entassés comme, je dirais, comme des sardines. Et aucun pays en Europe ou aux États-Unis, soi-disant, la statue de la liberté, mais qui n'est qu'une statue, hein, de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux Africains que l'homme blanc n'a jamais demandé pardon? Parce que moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur que ma mère, elle est d'ici. Hein? Ma mère, c'est une blanche. Ça me fait mal, une française. Hein? Et quand je pense à l'histoire qu'ils ont pris nos arrière-grands-parents noirs, qu'ils ont amenés dans des bateaux, ils n'ont jamais demandé pardon. Hein? Aujourd'hui, regardez ce beau métro-là. Mais il y a les minéraux de l'Afrique à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'esclavagisme? Parce qu'ils doivent demander pardon. Les Juifs, ils ont demandé pardon. Pourquoi pas l'homme noir? Parce que les Juifs sont venus. Ah. Ils ont su se faire respecter. C'est à nous, Africains, d'arriver à nous faire respecter au point que leur montrer. C'est Chirac qui a tenté de faire, je ne sais pas quoi, pour voir là. C'est pas sûr. Il faut que ça soit mis. Ils ont d'abord arraché ça. Rien ne s'acquiert.
l'histoire d'Amérique. L'Amérique est devenue un pays des droits civiques, pourquoi ? Parce que les gens savent se lever et revendiquer. Depuis qu'il n'était pas possible, jusqu'à ce qu'on peut manifester librement aujourd'hui dans ce pays. Il faut que nous soyons assez unis et solidaires pour pouvoir à chaque fois parler d'une même voix et savoir ce que nous voulons pour revendiquer nos droits. Personne ne nous donnera ça. Ça, je n'en veux pas aux Occidentaux pour ça. C'est vraiment à nous de nous battre pour arracher ce pardon-là par tous les moyens. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport... ici, ils disent que c'est un pays de droits de l'homme, mais quand on constate bien, c'est pas un pays de droits de l'homme. Parce que la France qui soutient des dictateurs et qui tolère des criminels de commettre des génocides en Afrique et de venir ici à l'Élysée, hein, la maison des vampires, pour mettre un tapis rouge pour recevoir les dictateurs. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, madame la grande journaliste ? C'est incontestable que la France est un pays des libertés. Hein. La loi le concède. Maintenant, il faut faire la distinction entre les positions politiques et les positions judiciaires. Hein. La loi, là-dessus, est claire. Les gens naissent libres et égaux. Ça, mon droit. Point de vue droit. On ne va pas te mettre noir alors que tu es blanc ou blanc alors que tu es noir. On ne va pas te mettre sexe masculin alors que tu es sexe féminin. On ne va pas te refuser le nom que tu veux donner à ton enfant. On ne va pas te refuser la nationalité si tu es né français ou plus tard si tu veux le demander, ainsi de suite. Ces libertés-là sont des acquis, ça c'est un fait. Maintenant, il y a le discours politique, il y a des positionnements politiques par rapport aux intérêts économiques qui font que un président, selon qu'il soit affairiste ou qu'il pense plus aux intérêts africains, prendra position pour les dictatures, pour aménager l'économie française. C'est ça. Et c'est toujours à nous, Africains, de pouvoir nous battre afin de nous imposer. On a vu les pays progressistes d'Amérique du Sud. Ils en sont arrivés à ça parce qu'ils ont eu des hommes qui ont pensé, qui ont cru, qui ont imposé le changement, qui ont imposé de faire respecter leur voix, surtout en ce qui concerne leurs ressources naturelles. Donc jusque-là, moi je pense que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est dû aussi aux mauvais dirigeants que nous avons. Il faut qu'on change de qualité de dirigeant. Il faut que nous, peuple, nous levons pour revendiquer au plus haut niveau et de plus en plus fortement faire entendre. Je crois que nous devrons avoir le même rêve comme Martin Luther King qui avait dit « I have a dream ». Hein? Et je crois que nous devons avoir ce même rythme pour que les choses changent en Afrique. Parce que nous ne pouvons plus accepter de vivre comme ça. Tous les ingrédients sont là, hein. Il nous suffit de les mettre ensemble et de pouvoir produire quelque chose de grand qui puisse nous sortir de là. À chaque fois que les peuples se mettent ensemble pour se battre, ils y arrivent. Pourquoi nous, ça traîne ? C'est ni la faute de personne d'autre. Hein. C'est ce que j'avais à dire. Merci, Georges. Merci beaucoup.